rendu par les détachements de l'escadron mobile de la Légion de gendarmerie ouest et de l'escadron de surveillance et d'intervention de Dakar. Capitaine Abdelaziz Seck, commandant l'ensemble. Et devant, mon général. Ouest et de l'escadron de surveillance et d'intervention de Dakar. Capitaine Abdelaziz Seck, commandant l'ensemble. À vos ordres, monsieur le ministre. Messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les honorables députés, mesdames, messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, monsieur le général, chef d'état-major des armées, monsieur le général, au commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, mesdames, messieurs les autorités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs, chers invités. Notre rencontre de ce jour est une étape importante dans la marche vers la modernisation de notre jeune commune. En ce sens qu'elle consacre l'ouverture d'une compagnie moderne de la gendarmerie. En effet, la question de la sécurité est devenue un enjeu mondial de par sa diversité, de par la diversité des outils et moyens utilisés par les malfaiteurs pour accomplir leurs sales besoins. Ainsi, l'implantation de ce bijou dans notre commune relèvera de façon considérable la qualité de l'offre de services en sécurité et en action de développement, puisqu'il faut le rappeler, les forces de défense et de sécurité ont également des missions socio-économiques aussi importantes que la question de la sécurité. Notre commune, de par sa position géographique, sa forte évolution démographique et sa configuration, est le lieu indiqué pour abriter une telle infrastructure. En effet, Wakam est une commune ouverte sur l'océan avec une population qui a passé du simple au triple en l'espace de 6 ans. Et aussi, elle est passée d'un statut de village traditionnel à celui d'une commune avec beaucoup de nouvelles cités qui ne sont pas encore entièrement habitées. Tout ceci faisant d'elle une zone assez exposée à la présence de malfaiteurs de toutes sortes. Ainsi, cette gendarmerie s'insère parfaitement dans le dispositif local actuel composé d'une école de gendarmerie, Mambouna Mafal, du camp des camps militaires et du quartier des éléments français au Sénégal. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers invités, je lance un appel à toute la population wakamoise pour une collaboration citoyenne avec les forces de sécurité afin que leur mission soit couronnée de succès au bénéfice des populations sénégalaises, mais principalement celles de Wakam. Aussi, les populations de Wakam, par ma voix, adressent leur vif remerciement et leur profonde gratitude pour cette réalisation à l'endroit de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de toutes les forces de sécurité qui sont déjà installées à Wakam pour la qualité de notre collaboration. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers invités, la commune de Wakam, à travers ma voix, vous souhaite la bienvenue dans cette terre lebou, symbole de culture et d'hospitalité. Je vous remercie de votre aimable attention.
monsieur le sous-préfet des Almeries, monsieur le général de corps d'armée, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, monsieur le maire de la commune de Ouakam, messieurs les officiers généraux, monsieur le représentant du procureur de la République, messieurs les maires des communes environnantes, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, gendarmes auxiliaires, honorables invités, permettez-moi tout d'abord de remercier toutes les autorités politiques, administratives, coutumières, religieuses, militaires et les populations qui ont effectué le déplacement aujourd'hui pour assister à cette cérémonie solennelle. La forte mobilisation enregistrée ce matin prouve que vous comprenez toute l'importance pour Ouakam de disposer de ce joyau et récompense les efforts consentis pour le réaliser. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque l'inauguration de la nouvelle brigade de gendarmerie territoriale de Ouakam et l'installation de l'escadron de surveillance et d'intervention de Dakar, ESIT. Certes, la brigade territoriale de Ouakam n'est pas une nouvelle création. Ces anciens bâtiments ont été remplacés par ces nouveaux locaux. Mais l'événement revêt un caractère exceptionnel qui tient de la qualité même des nouvelles infrastructures et du processus décisionnel qui a abouti à la concrétisation de ce projet ambitieux à travers le Sénégal. 101, maintenant, on est à 120-125 000 habitants. Ngon, Santa Yalla, Grand Président, Sidiofdi, Grand Wa Sénégal, Si Nekinui, Dignan, Yalla Doli Djam. Mangi Den Wahne, Loulou Djamma, Djamma Kegen. Sandarmayi, Djamma Len Pi Indi. Wawakam, Wangor, Wayof. Ba Dakar, ba Sénégal, gep kenn ko si nek na nga comprendre né mission gendarmerie ak mission police moy dox jam li nak contane nañ ci parce que suma dan tok à son papa Rolando la may wax moy chef de brigade bi fu mu jël nek ci Touba ngon tay su fekke Rolando nekatu fi loolu monsieur Gueye fi né ñu nan chef de brigade Gueye sante Yalla.